Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui, ce soir, ici même, Bassin Labo, pour cette émission musicale Parole d'artiste qu'on a l'habitude de voir sur Canal Austral, bien entendu. Aujourd'hui, on va, comme on dit en bon créole, ça saute la meilleure. Oui, créole dit comme ça, et ça saute la meilleure. Et ben oui, la meilleure, 1500 km à peu près. Hein. On va rejoindre la grande île, la Terre Rouge, l'île de Madagascar, où on va aller voir une artiste qui chante là-bas, mais qui a fait le déplacement pour venir jusqu'à La Réunion il y a quelques mois de cela. Elle est encore à La Réunion pour quelques temps, on ne sait pas encore, mais en tout cas, on a le plaisir de la voir avec nous ce soir, ici même. Elle s'appelle La Sainte et elle est avec nous. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Oui. Mais ça me fait bizarre de t'appeler La Sainte. En fait, ça vient de mon nom. Mon vrai nom, c'est Cynthia. Cynthia? Oui. Et ta maman t'appelait La Sainte? Oui. La Sainte Cynthia ou bien la Peut-être Sainte? Peut-être que quand j'étais petite, j'étais toute sainte. Toute sainte. Ah, d'accord. Alors, sûrement, sûrement. Mais quand on est une sainte et qu'on est toute petite comme ça, la première chose qu'on fait, c'est chanter. Oui. Et tu aimais ça? Oui. Tu es née dedans? Je sais. En fait, j'ai commencé par chanter Ave Maria. Ah. Ave Maria. Dans les églises ou bien à la maison? Oui, à la maison. À la maison? À l'église, puisque... Tu t'es partie d'une chorale aussi? Oui. Mmh. Et mon parcours scolaire, c'était dans l'école catholique, toujours. Ah, d'accord, d'accord, oui. D'accord. Mais moi, j'étais musicien d'église pendant 20 ans. Ah bon? Voilà. Et je ne suis pas sainte. Ben oui, normal, donc, je m'appelle. Saint aussi. Je ne m'appelle pas Hyacinthe. Peut-être que si je m'appelais Hyacinthe, hein, oui. J'aurais été peut-être un petit peu. Et toi, ton nom d'artiste, tu t'es baptisé La Sainte. Oui. La Sainte comme la Sainte Vierge Marie, la Sainte. Oui, oui. Tout ça. Oui, comme ça. C'est écrit comme la Sainte Marie, Sainte Thérèse. Mais tu ne chantes pas que des chansons religieuses. Hein. Si, si. Oui. Au début... Parce que tu fais du rap, tu fais de la R&B, tu fais de l'afrobeat. Oui, maintenant, je chante plutôt sur l'afrobeat et Zouk Love. Et Zouk Love aussi. Tu aimes ça, le Zouk Love, hein? J'aime trop. Ouais, 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 ouais. Pourquoi ça? Le Zouk Love n'est pas une musique typique de Madagascar. C'est pas typique, mais on peut chanter. Et... Bien sûr. Oui. Ça vient de loin, hein? Les Antilles, c'est très loin. Oui, ouais. Ça vient des Antillais. Le zouk a vraiment envahi Madagascar comme ça. Oui, maintenant, c'est en vogue là-bas. Ah, et ça a resté. Ouais. Oui. On a vu beaucoup d'artistes passer chez nous et chanter du zouk comme ça. Oui. Vous, quand vous faites des prestations à Madagascar, les gens aiment bien le zouk. Oui. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est, en fait, c'est un rythme qui touche. Ouais, ouais. Oui, quand on est sensuel. Ouais. Oui. Et sinon, du salek, du tiapik, non, pas du tout. Pas ça, trop. C'est juste pour mettre l'ambiance. Ah, ça, c'est pour mettre l'ambiance. Oui. Mais tu chantes un petit peu aussi, de temps en temps, du salek et du tiapik, par exemple, ou de la musique traditionnelle, des hauts plateaux. Oui, j'arrive à chanter tout genre de musique. Toutes les chansons. Oui. Ouais, 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 ouais. Mais ce que tu aimes bien. Alors, parle-moi un petit peu de la période où tu faisais du rap. Oui. Et que tu t'appelais La Sainte. Il n'y a pas une petite incompréhension ou, là-bas, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas problème fait la différence. Pour... Hein. Oui, tu t'appelles La Sainte et tu chantes du rap. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui. Timanine, comme on dirait chez vous. Oui, Timanine. Même on peut chanter du rap, les chansons évangéliques. Hein. On peut chanter On peut même chanter des chansons d'église en rappant. Par exemple, on peut dire oui, Jésus. C'est un enfant de Dieu. Yo, 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 comme ça. Ah ouais. Et Jésus, il est pas mécontent. Il aime ça. Oui, temps qu'on le loue, je suis sûre qu'il est content. Ouais, ouais. On peut le louer dans toutes les chansons, dans toutes les c'est types le cœur de musique. Qu'il regarde. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même en R&B, même en Afrobeat. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu aimes bien actuellement faire du zouk, mais aussi de l'Afrobeat. Oui. Oui. Pour le moment, je suis entrée plutôt sur l'afrobeat parce que c'est commercial. Parce que là, j'entre plutôt dans les côtés commerciaux. Ouais, 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 ouais. Avant, je fais ça par plaisir seulement. Ouais, ouais, ouais. Mais là, ça devient mon métier même. Mm-hmm. Tu as plusieurs chansons comme ça. Oui. Tu as quelques clips aussi qui sont sur les réseaux sociaux, sur YouTube, par exemple. Oui, j'ai mis ça sur YouTube depuis 2014. Depuis 2014, ça fait quand même quelques années, 7 ans déjà. Et
Toujours, c'est de l'afrobeat et du zouk. Du zouk, oui. Ouais. Oui. Tu as fait des albums déjà? Là, je suis en préparation. En préparation. Ton premier album? Oui. Ouais. Essentiellement zouk ou bien afrobeat, ou un mélange des deux? Oui, c'est mélangé. En fait, là aussi, je prévois de faire le Sega, puisque c'est je Sega. Suis ici, oui. Un Sega malgache? Mélangé. Mélangé aussi. Par exemple, il faut que ça, il y a des paroles en créole, quand même. Ouais. Waouh, d'accord. Ouais. Faut dire que ça fait quelques mois que tu es à La Réunion. Oui. Depuis janvier, tu es à La Réunion. Oui, hein. J'aime bien La Réunion. Tu aimes bien La Réunion? Oui. Ouais. Et les gens sont sympas. D'accord. Alors, oui. Et à La Réunion, tu as un petit peu appris à parler créole? Un petit peu, par exemple, Ali, et puis Aou. Miamaou. La base, quoi. La base. Et c'est suffisant pour écrire une chanson, un petit cigare en malgache et en créole en même temps. Oui. Ouais. D'accord. C'est toi qui écris tes chansons. Je vais te raconter un petit comédie. Oui. En arrivant ici, j'ai entendu les gens dire Damoun ou bien Doumoun. Doumoun, oui. Doumoun, oui. Après. Parce que c'était dans le bus. Mais j'ai cru que ça veut dire démon. Ah. Doumoun, démon, ouais, pourquoi pas. Oui. Non, pas du tout. Non, mais t'as pas écrit une chanson là-dessus, non? Non, mais après, en arrivant à la maison, j'ai fait les gestes et j'ai fait « Toi, Doumoun, toi !» Du Sega. Alors, écoute, il y a Richard qui est de l'autre côté à la régie là-bas, oui. et qui s'est entraîné un petit peu avec toi tout à l'heure sur une chanson zouk, hein, un zouk. Ça s'appelle comment ce zouk là? Ah d'accord. En fait, c'est mélangé même. Ah mélangé aussi. Avec là. De l'afrobeat. Ah ouais. C'est pour ça. Ah d'accord, oui. D'accord. Moi, je vais prendre une guitare qui est de l'autre côté là, une guitare noire comme moi. Et bravo à toi. Oui, parce que tu n'as jamais écouté cette chanson. Oui. En plus, c'est tout neuf. Oui. Et juste la première fois que tu entends, tu arrives déjà à jouer. Bravo. Ah bon? Oui. Ouais. Mais il y a d'autres choses que je sais faire mieux que ça encore. Ah bon? Ouais, construire des maisons. Oh, je serais pas étonnée. je vais aller sur scène, tu vas me rejoindre. Et puis on va faire ce morceau-là, d'accord? D'accord. C'est parti? Oui. Richard m'a dit que tout est OK. On peut y aller? T'es que quoi, tout le monde? Allez, c'est parti, on revient dans un instant. Reste là, on revient dans un instant, OK? D'accord. Allez, c'est parti. Zakoman metuk,
chakuva dino sakoman metut tetoku anganja fiano angata no vongonita pechakuva dino bandifita kanyenga kutalo zafafa ispachu zaka serio que si chanyo no bye bye bandifita katalogu. Ben on est de retour ici sur ce plateau improvisé ce soir à Bassin Labo sur Canal Austral, bien entendu, ici même avec la Sainte qui est toujours avec nous. Ça me fait bizarre de t'appeler la Sainte. Hein. Mais j'ai pas l'air. Non, mais c'est pas ça, c'est que la Sainte. Ouais. Non, mais je vais m'habituer, t'inquiète pas. Hein, je vais m'habituer. Okay. Je vais m'habituer. On a dit tout à l'heure que tu écrivais toi-même tes chansons. Oui. C'est moi-même qui. Comment tu fais pour la musique écrit. En fait. Tu as une équipe à l'arrière. Allez, D'habitude, je télécharge les rythmes sur Internet. Ouais. Et c'est à partir de là que j'arrive à écrire et puis à avoir des mélodies en tête. Ouais. Et après, quand c'est fini, je revise directement, je pars au studio pour enregistrer. Après, j'enlève tous les rythmes. Et tu mets de la musique instrumentale voilà. à l'arrière. Hein? D'accord. Et après, c'est le studio qui compose un autre... Qui compose la musique. La musique. Ouais. Mais où tu trouves l'inspiration pour écrire ces chansons-là? Est-ce que c'est des chansons de la vie de tous les jours ou bien généralement c'est des histoires d'amour? Puisque tu m'as dit que tu fais quelque chose un peu plus commercial et les histoires d'amour, généralement ça fait vendre. Oui, c'est ça même. Oui. Et puis en fait, ça ne veut pas dire que c'est forcément ce qui s'est passé dans ma vie. Mais aux alentours, dans la vie des gens que je connais, ou bien dans les films, peu importe. Ah ouais, d'accord. Oui. Même dans les films, tu as puisé ton inspiration dans les films aussi. Oui, et même en composant mes chansons, c'est là même que j'imagine déjà les clips. Les scénarios. Les petits scénarios, les vêtements que me convient sur ce clip. On a dit tout à l'heure, tu as 5 clips sur YouTube. Hein, oui. 7 même. 7 même. Hein, oui. Ouais. Et combien de chansons comme ça enregistrées déjà? Autant de clips que de chansons enregistrées? Non. J'ai trop de chansons en audio. Ouais. Et c'est là que je fais un triage. Ouais. Je fais écouter les gens... qui connaissent la musique et j'écoute leur avis que ça passe et c'est là que je sors. D'accord, c'est des clips qui ont été tournés à Madagascar. Voilà. Hein? Oui. Tous les 7 clips ont été tournés à Madagascar. Oui. On va voir tout à l'heure à la fin de cette émission là. Mais bientôt je vais tourner un clip à La Réunion. La chanson que je viens de chanter là tout à l'heure sur scène, je vais tourner ici. Ah d'accord, pourquoi pas ici, Bassin Labo? Parce que quand tu es arrivé tout à l'heure à l'entrée là-bas, tu m'as dit que j'aimerais bien faire un clip ici. mais là, tu es venu le soir, mais quand tu viendras à la journée, peut-être que c'est différent. Mais en tout cas, ici, il y a beaucoup de spots pour tourner des clips ici. Chez toi, ici, dans ta grande cour. La grande cour, oui, c'est très joli. Exactement. Alors, N'Goma.
Oui. En malgache, ça veut dire que tu me manques. Tu me manques, oui. Moi, je pensais que Ngoma. Moi, je connais beaucoup d'amis qui s'appellent Ngoma. Ngomaza. Oui, ah, ça veut dire que tu me manques. D'accord. Oui. Ouais. Et c'est un zouk ou un zouk. Zouk aussi. Oui. Un zouk aussi. C'est un zouk love. Tu es bien les zouk love, toi. On danse encore du zouk love à Madagascar. Oui. Ouais. Oui. Dans les soirées, des balles, des boîtes de nuit, on danse oui, du oui, zouk. Oui, oui, dans la soirée. Ah, on chante des zouks, les gens aiment ça. Ils aiment ça. Oui. Ici à La Réunion, très peu, il n'y a pas beaucoup encore. Hein. Ici, on aime bien tout ce qui bouge. Bouge. On appelle ça les boum boum, là. Hein, mais plus trop. les musiques un petit peu collées, serrées à deux. Oui, mais quand même, quand il y a la fête, devant les parents, toute la famille. C'est du zouk. Il en faut. D'accord, c'est du zouk. Hein. Oui. Alors, quand tu chantes du zouk comme ça, là, et ben, danser du zouk. Oui. Ça va automatiquement ensemble. Oui. Ouais. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Il y a une chose qui m'a frappé quand tu es arrivé tout à l'heure. Hein. Si tu peux faire comme ça avec tes mains sur la caméra pour que Richard puisse te voir là. Tu as des ongles des qui sont de toutes les couleurs. Oui. Hein. Voilà. Hein. Donc, tu es très coloré au bout des ongles. En fait, moi, j'aime trop les couleurs. Oui. Voilà. Hein. Et vous verrez même la façon dont je m'habille. Mais je ne suis pas trop bling-bling du côté bijoux. Par exemple, je ne mets pas de trucs lourds. Non. Mmh. Oui, ou bien des maquillages lourds. Non. La tenue vestimentaire, ça compte seulement, beaucoup pour toi? Oui, pour moi, c'est la couleur. La couleur? Oui. D'accord. Alors, hein, ta chanson va automatiquement avec une tenue? Oui. Hein, à chaque fois, tu m'as dit tout à l'heure que quand tu écris des chansons, tu penses tout de suite au clip. Et quand tu penses au clip, tu penses tout de suite à la tenue que tu vas être dans ce clip-là. Hein? Oui. Tu as des visions comme ça, des images qui t'arrivent comme ça. Et puis j'écris rarement les chansons tristes. Par exemple, les côtés négatifs, où il m'a abandonné. Non, chanson de séparation, je ne chante pas trop. Tu ne chantes pas de séparation ? Oui. Non. J'arrive pas à écrire trop. Ah, oui. D'accord, alors, ok. Alors, hein, merci beaucoup. On va finir tout de suite cette émission-là avec un clip. Hein. Oui. Ngoma. Oui. Ngoma. D'accord. Oui. Hein. Un clip qui a été tourné en quelle année, ça ? Ça, c'est en 2000... C'était il y a longtemps. Quelle année, ça ? Il y a longtemps. 2016, je crois. 2016, hein ? Oui. Hein, il y a 5 ans de cela. Oui. Hein, d'accord, alors, ok. Hein. Et on peut retrouver tous tes clips sur YouTube. Sur YouTube, en oui. tapant seulement... La Sainte. Et puis, Gassi. Plus loin. Sainte, oui. Voilà. Et vous verrez Gassi. Ça veut dire malgache. Ouais, la Sainte Gassi. Malgache. Oui. Voilà. Sainte, la Sainte Gassi. Gassi, voilà. Hein, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Oui, je vous en prie, merci. Merci, on va finir tout de suite avec ce clip-là. Et puis après, on te souhaite le meilleur pour tes prochaines aventures musicales, puisque tu vas écrire encore des chansons, hein, tu vas composer encore, tu vas chanter encore, tu vas tourner encore des clips, hein, c'est pas fini. Oui. Hein, tu as encore beaucoup de choses à faire comme ça. Oui. Merci beaucoup et bonne continuation à vous aussi. Merci beaucoup. Et à tout le monde qui nous suit. Merci à La Réunion et à Madagascar. On peut te voir via Canal Austral Pourquoi Madagascar. Pourquoi pas dans le monde entier. Ah oui, bien sûr. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes sur Canal Austral. Et on finit tout de suite avec ce clip de La Sainte qui s'appelle Ngoma. Allez, à bientôt.